La transformation artisanale du rotin relève plus du savoir-faire local. Je suis né artisan. Puisque c'est d'abord de l'art de chez nous, puisque je suis originaire du sud du Cameroun. Donc chez nous, on fait ça dès le bas âge. Donc je l'ai appris au centre, chez mes oncles maternels. Donc j'ai donc été passionné. Le rotin est une partie de la tige du rotin rencontrée en Malaisie, en Inde et au Cameroun, dans les zones forestières et dans la région du littoral, dans les départements du Nkam et de la Sanaga-Maritime. Son exploitation et sa transformation artisanale est la principale source de revenus de plusieurs artisans à Douala. Il faut parler de gains. Quelqu'un se retrouve, hein? Est-ce que il y a on peut se construire sur la base de... On peut faire comme tout le monde. Donc, quand on fait ça, c'est pas parce que qu'on s'est égaré. C'est un choix de vie. Donc, le rotin nourrit très bien son âme. Le travail du rotin à Douala est une activité organisée. Les artisans se procurent les tiges de rotin dans les entrepôts à ciel ouvert et les acheminent vers les ateliers. Avant de commencer à les nettoyer, à les couper en petites lianes, à sécher ces lianes avant de commencer avec la fabrication des objets. La durée de vie des objets fabriqués à base de rotin dépend de l'entretien.